Monsieur le Président, Lowe's, le géant de la quincaillerie américaine, a offert 3,2 milliards pour acheter Rona. Alors qu'on sait que Rona s'approvisionne auprès d'une foule de fournisseurs québécois, dont par exemple les Pelgarants ou les fabricants de bois d'œuvre au Québec. Selon la loi sur l'investissement au Canada, le ministre de l'Industrie peut autoriser la transaction, peut aussi la refuser et peut y poser des conditions. On sait que le ministre va suivre le processus, mais on voudrait savoir qu'est-ce qu'il compte faire concrètement pour protéger les fournisseurs et le siège social de Boucherville. Le ministre du Développement économique, Monsieur le Président, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Bureau de la concurrence va se pencher sur cette transaction. Les actionnaires, bien sûr, vont aussi examiner la transaction. Et moi, à titre de ministre fédéral, comme le prévoit la loi sur l'investissement, je ferai en sorte qu'un examen coût-avantage sera mené, car il est important de suivre ce processus et de veiller aux intérêts des Canadiens.